Nous sommes le 5 septembre 2023 et l'émission Maurice et la nuit se déroule à Paris. Ce soir-là, Moriba de Bamako au Mali est venu nous parler de la situation politique de son pays, de son quotidien et de son mode de vie, des médias et de la présence de l'armée française très controversée. Et il y a du monde pour échanger avec lui. Christophe, Nicolas, FX, Catherine, Alexandre, Sofiane et Aymeric. Nous vous souhaitons une très agréable écoute. La direction de Maurice Radio Libre vous informe que ce programme est réservé aux adultes. Il est porté à l'attention de tous et toutes que l'émission est réalisée en direct et que certains propos pourraient choquer les esprits les plus sensibles. Il vous est donc recommandé de rester vigilant pour éviter toute déconvenue. Maurice Radio Libre vous informe qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de toute addiction générée par ce programme. L'équipe entière de la radio que vous avez choisi d'écouter ainsi que le comité des auditeurs actifs vous souhaite une formidable expérience. Écoutez, Moriba à Bamako, Mali. Oui, bonsoir tout le monde, Anissou, comme on dit en Bambara. Salam Atoubko. Je préfère vous annoncer que si je disparais, ce n'est pas par impolitesse, c'est qu'il risque d'avoir des coupures d'électricité. Eh oui. Bah, tu pouvais dire, voilà. Si je disparais, c'est parce que je suis au Mali. Il n'y a pas que des vraies choses en Afrique. Donc ouais, je viens de donner un peu, ça quelques mois, quelques années que j'ai pas donné signe de vie en fait en vocal là. Donc pour expliquer un peu la situation qu'on vit ici là. Depuis 2 ans, il y a eu 2 coups d'État, des problèmes internationaux avec la France entre autres. Ils sont réels ces problèmes ou? Toi qui es au Mali, sont des problèmes qui existent véritablement ou est-ce que c'est un peu monté en épingle? Bon, je te laisse réfléchir et essaie de pas disparaître. Branche et secoue les fils, j'arrive. Faut que t'écoutes ça absolument. Julien, 41 ans, le Guilvinec. Ils ont le pied marin, campé en mer d'Iroise. Géants de la Bretagne, ils sont fidèlement sentinelles clémentes à tout bateau qui croise. Le Nividique en tête et plus loin la jument, ainsi que le Créac se dressent en Cerbère, dans ces endroits spumeux et de mer en colère. Mais il en est combien tout aussi merveilleux, plantés de ci, de là, d'allure magnifique, ils sauvent le marin du piège maléfique. Caché sous les embruns, les pics rocailleux, il en est encore un, au nom si chatouilleux. C'est le petit Minou, tendrement poétique. De Brest, il ouvre ainsi la rade sympathique. D'Armor en Bigoudin, ils sont fils orgueilleux. Fais comme Julien, écrit un texte ou choisis-en un. Il doit durer moins d'une minute quand tu l'auras enregistré avec les moyens du bord, sans bruitage, sans musique. Tu l'enverras dans ma boîte, maurice@mauriceradiolibre.com, et si ça nous va, tu t'entendras. À bord par ici, Christophe, il a 41, il est à Montlo. Pour votre plus grand plaisir. Aymeric a 46, il est à Grasse. Il est toujours là. Catherine, 57, la teste de bûche. Je suis là. FX, 43, Valeroy. Toujours présent, Maurice. Moriba, 48, Bamako, Mali. Oui, je suis là. Sofiane, 41, Vincennes. Présent, Maurice. Et Lama, donc, est à Moriba, au Mali. Alors, c'est du flanc ou c'est piloté? C'est les Russes ce qui se passe là-bas ou chez toi ou... En fait, il y a plusieurs niveaux. Il y a un vrai problème politique, en fait, politique. Les militaires qui ont pris le pouvoir, ils ont basculé, on va dire, dans le côté bloc, ancien bloc de l'Est, c'est-à-dire la Russie, l'Iran, la Chine, etc. Pour les Occidentaux, forcément, il y a instrumentalisés par les Russes, ce qui est pas totalement. Alors, c'est pas non plus noir et blanc à 100% dans cette affaire-là, de ce que je vois et de ce que je connais et de ce que j'entends. Le fait que le ministère des Affaires étrangères, ils mettent le Mali tout en rouge, et déconseillent aux ressortissants, on va dire entre guillemets occidentaux, d'aller au Mali,
il y a quand même des choses qui, enfin, les gens ne comprennent pas, en fait. Autant politiquement, on peut comprendre que la Mali dise à la France, bon, écoutez, vous avez été là pendant une dizaine d'années, ça n'a pas super bien marché, donc on va essayer autre chose. Que le gouvernement français et l'État français ne comprennent pas ou ne sont pas d'accord, c'est un fait aussi. Mais après, de là à dire qu'il y a un ressentiment français, alors il faut comprendre aussi quand on dit ressentiment français, c'est un ressentiment envers la politique française, c'est pas envers les Français, parce qu'il y a encore beaucoup de Français et des Blancs qui sont encore au Mali, et eux, ils sont pas agressés, il n'y a pas de problème particulier. Voilà. Ils vont dans les restaurants, il n'y a pas de... Moi, je les côtoie, il n'y a pas plus de stress que ça. C'est-à-dire que, est-ce que là, les gens que tu connais simplement, ou les gens de ta famille, etc., est-ce qu'il y a des gens qui se disent réellement, on en a marre de la France, on a envie que les Français se barrent pour vivre autre chose ou pas? Est-ce que t'es témoin de trucs comme ça ou pas? Non, j'entends, parce que bon, moi j'ai appuyé en France, un peu ici, j'ai été quelques années, j'ai fait le 14 juillet, donc j'avais été j'étais à l'ambassade et tout, je fais partie d'une association qui s'appelle les ambassadeurs, donc qui fait un pont entre la France, le Mali, on va dire, et les enfants de Maliens qui sont à l'étranger, donc il y en a beaucoup en France, et donc on est amené à parler avec... des officiels, hein, vraiment des gros officiels et tout. Et c'est, on va dire, après il y a une instrumentalisation dans le sens où il y a quand même beaucoup de gens qui sont pas instruits, donc quand on leur dit il faut cracher sur la France, ils crachent sur la France, mais c'est les premiers à faire, comme je dis toujours, c'est les premiers à faire la queue pour demander des visas et pour essayer de prendre la tangente pour aller vivre en France, tu vois. Donc c'est un peu paradoxal, mais alors c'est pas, enfin, il faut que les gens comprennent aussi, c'est pas envers seulement la France, en fait. Même je pense que si dans 2-3 ans les Russes ou les Chinois ou les Turcs qui sont beaucoup ici, ils font pas l'affaire, les gens vont leur demander de dégager, en fait, tu vois. C'est ça aussi le truc, c'est qu'il y a là un peu un ras-le-bol de voir, en fait, enfin les gens en ont un peu un ras-le-bol de voir des étrangers qui sont dans de bonnes conditions de vie, comme je dis toujours, enfin comme les gens disent toujours aussi, c'est que tu vas pas voir entre guillemets, hein, je dis bien. Faut pas prendre ça comme des propos racistes, de blancs faire la manche au Mali, quoi, tu vois. Je parle du Mali ou en général dans les pays africains. Donc, les gens commencent à se dire qu'il faut se réapproprier le pays. Alors, maintenant, il y a une phase aussi où il faut des cerveaux, hein. Il faut des cerveaux pour mettre en marche un pays. Et oui. Et le Mali, alors c'est vrai qu'en superficie c'est hyper grand, mais en population c'est 21-22 millions d'habitants, tu vois, officiellement, je dis bien. Ouais. Donc sachant le niveau d'éducation, le niveau d'instruction qui est, que moi je pense, hein, je leur dis, qu'il y a l'un des plus faibles dans la sous-région, peut-être avec le Niger, donc ça pose un problème. Ça pose un problème d'élite, de mecs qui ont, enfin, de cerveau, quoi. Et ça, je pense que bon, il y a des gens qui ont écrit aujourd'hui, personnes qui sont au pouvoir, de vraiment faire. Alors c'est vrai qu'il y a un problème de sécurité, mais il faut vraiment faire un effort sur l'éducation, sur l'enseignement, sur la scolarisation des garçons et des filles, etc. Quoi. De vraiment mettre des gros moyens dans ce domaine-là, si on veut, entre guillemets, ne plus dépendre. Enfin, si on veut plus dépendre aussi des étrangers totalement, quoi. C'est un peu ça le souci qu'il y a. Allô. Qu'est-ce que, d'après toi, qu'est-ce que tu sens qui va se passer là? Non, mais moi je pense. Les militaires, quand ils sont arrivés au pouvoir, enfin quand ils ont pris le pouvoir, ils ont dit qu'ils voulaient faire une transition de 5 ans. Là, ils annoncent des élections, des doubles élections présidentielles et, on va dire, et législatives au mois de février 2024. Moi, personnellement, je ne vois pas comment ils vont pouvoir les faire. Personnellement. À cause de quoi? Ce serait quoi le frein? Déjà, il y a un problème de sécurité dans une partie du territoire. Hein. Même si il y a une bagarre de fake news entre ce que certains, on va dire, médias occidentaux disent, que voilà, le Mali a perdu, enfin les militants au pouvoir ont perdu une totalité du un tiers du la contre
contre fake news, qui devient des gouvernements, qui montrent aussi qu'ils sont dans certaines villes dans lesquelles ils n'étaient pas depuis 2012. Donc moi, je pense, parce qu'ils ont fait déjà un référendum qui n'a pas été sur tout le territoire. Donc moi, je vois pas comment ils pourraient. Et puis dans ce qui se passe aussi avec le Niger, parce qu'en fait, faut comprendre aussi qu'il y a le Mali, le Niger, le Burkina, c'est des pays frontaliers. Et le gros des problèmes des terroristes, ils se trouvent dans la région des trois frontières. Donc cette zone-là, il y a souvent des incidents. Alors c'est vrai que l'armée intervient aujourd'hui beaucoup plus qu'auparavant, mais il y a quand même des incidents. Donc les gens qui sont avec la hausse des prix, l'insécurité. Tu vas demander à quelqu'un de voter. Moi, j'ai un peu de mal. Et puis, comme c'est ceux-là, là, ces militaires qui sont au pouvoir aujourd'hui, je les trouve un peu filous, dans le sens où ils ont donné un programme, enfin un chronogramme, et tout doucement, ils le respectent, tu vois, sans faire de vagues, de machin. Dès que quelqu'un vient dire, voilà, il y a un mec qui les avait soutenus, là, et là, il a été aujourd'hui, ce matin, il est emprisonné directement. Là, par contre, il y a un durcissement des libertés pour les journalistes, etc. Comme tu le dis, on rentre dans la période des brutaux, là, hein, comme il y a un peu dans beaucoup de pays en ce moment. Donc, moi, personnellement, la classe politique, elle a pas la faune. On ne les entend pas trop parler. Alors, c'est vrai aussi, dès que tu commences à l'ouvrir, tu finis au placard. Voilà. Moi, je pense pas sincèrement qu'il va avoir les élections en 2024. Je pense que, comme ils l'avaient dit, ils avaient dit faire un mandat de 5 ans, enfin, de tenir plus de 5 ans. Je pense que, objectivement, c'est une bonne chose. Parce que là, en ce moment-là, ils ont commencé, depuis le début de septembre, ils ont commencé la chasse aux anciens dignitaires qui avaient volé les sous de l'État. Donc, forcément, ça va créer des remous. Ton discours me donne l'impression, en tout cas, que tu considères que les militaires qui sont au pouvoir aujourd'hui sont des gens fiables sur lesquels on peut un peu compter. Ou pas? c'est pas qu'on peut compter. Non, mais parce que les gens, ils avaient un discours quand ils ont pris le pouvoir, ils avaient un discours, ils avaient dit qu'on voulait faire une transition de 5 ans. Ça n'a pas plu à la communauté internationale, ils ont dit là. Donc, ils ont fait un espèce de référendum avec une assise nationale pour expliquer pour les gens donnent leur avis et tout. Et puis, ils ont déterminé la date de février 2024. Mais eux, dans leur premier discours, en fait, les gens n'écoutent pas. Moi, j'ai écouté, ils l'ont dit en français, mais quand il y a eu les vœux du 31 décembre dernier, le président de la transition, il a parlé en national, au Bambara, et là, il a bien expliqué les choses. Ah, parce que le français, il lit un texte, quoi qu'il ne maîtrise pas forcément, mais quand il a parlé en Bambara, il a lu son texte, et là, il a dit les choses. Et ils ont clairement dit, hein, depuis le début, voilà, nous, on veut une transition de 5 ans, parce que nous, il nous faut 5 ans pour remettre un peu le pays dans l'ordre, etc., 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 etc. Donc, si tu le dis trop haut et fort, parce qu'il y a eu des sanctions de la CEDEAO, des sanctions de l'Union africaine, etc., et au-delà. Donc, malgré qu'ils ont annoncé un chronogramme pour février 2024, moi, je pense qu'ils vont se tenir à leur première parole. Et c'est parti pour. Moi, je ne vois pas comment ils vont pouvoir. Personnellement, je ne vois pas comment ils vont pouvoir organiser des élections pour 2024. Personnellement. Bon, et toi, on peut dire. Ils sont fidèles à ce qu'ils disent, en fait, ce qu'ils avaient dit au départ. Mais comme il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de supputations, les gens ne lisent pas ou n'écoutent pas les discours. Ben, ce qu'ils ont, quand ils ont pris le pouvoir, ils sont en train de l'appliquer, en fait, tout simplement. Alors ça plaît pas, mais en fait sur ça ils sont raccord. Après, est-ce qu'ils vont laisser le pouvoir? Je crois pas, parce qu'ils ont mis leur enfin, comment dire, ils ont mis beaucoup de gens qui sont leurs proches dans les hautes administrations, dans les hautes administrations, dans les postes. c'est toujours pareil. Ils ont tous envie d'avoir un hôtel particulier à Paris et une belle baraque en Californie, donc bon. Non plus. La destination, c'est Dubaï, hein. Ah, c'est Dubaï, oui, pardon, c'est pas la Californie, oui, parce que les Américains, ils acceptent pas. Mais tu peux
ils saisissent, tu vois ce que je veux dire. Ouais. En fait, c'est ça le truc. Ils se sont rendus compte que ben, d'investir en Occident, c'est, ça devient très compliqué. On va dire aujourd'hui, Dubaï et ces pays-là, là, ils n'en ont rien à foutre. Tu viens avec un milliard en cash, il n'y a pas de souci, quoi, tu vois. Ouais, et puis ils savent très bien que le jour où ils auront décidé de garder ton cash et de te foutre à la porte, ils le feront. c'est un peu le danger de ces endroits-là, c'est qu'on est, on n'est pas à Monaco, quoi. Parce que quand tu vas débarquer avec ton avocat pour dire, voilà, j'avais investi un milliard, je voudrais le récupérer, on va, et les mecs, ils vont dire, non, non, vous vous trompez, partez. Maintenant, partez ou on vous emprisonne. Alors, ce sera la caillasse ou la prison. Bon, tu dis, ok, je m'en vais. Et ouais, il y a quelqu'un d'autre qui veut parler. Allô, qui va là, je te prie. Bonjour, Nicolas, 44 ans, Montréal, Canada. Eh oui. Ouf. Ouais, donc, Moriba, donc toi, ton quotidien, ça va, ça se passe, c'est bien. Bon, moi, je fais partie des décors, hein, t'as vu, j'ai la couleur qu'il faut, il n'y a pas de souci. Je comprends le dialecte, je parle. Après, moi, mon activité apicole, etc., donc fait que moi, je n'ai pas à faire beaucoup avec l'administration. Même s'il y a des choses qui s'améliorent, c'est plus paradoxal, hein, il y a des choses qui s'améliorent. Alors, c'est pas non plus, c'est pas, je ne fais pas 10 km, mais. Il y a des petites avancées, il y a des petites un peu plus, on va dire, il y a un peu plus, c'est un peu plus serré, il y a moins de, il y avait un, moi je trouvais qu'il y avait trop de laxisme, bon ça c'est mon regard français, hein, mais il y avait trop de laxisme dans pas mal de choses, là c'est un peu plus, ça s'améliore. Alors c'est pas non plus pour quelqu'un qui va arriver aujourd'hui, qui arrive de France, qui va arriver, c'est compliqué, mais il y a quand même des initiatives, il y a quand même cette volonté du changement. Mais ça va être très long, je pense. Hein. Je pense une ou deux générations pour que ça puisse changer. Et puis surtout, comment ? Je pense que ça arrivera jamais. Hein. Non, tu penses ? Non, mais c'est pas ça. Mais après, le truc, c'est que faut comprendre aussi. Pour moi, hein, ça c'est ma vision des choses. On peut pas. Pour schématiser, en Afrique, le mode de vie, les modes de vie ne seront pas comparables avec ceux qu'on peut connaître en Europe, en Occident. Je vais donner un exemple bien particulier. Par exemple, là, j'ai vu qu'en Côte d'Ivoire, ils avaient commencé à ouvrir des maisons de retraite. Enfin, il y a une maison de retraite qui est en train d'ouvrir. Je connais des gens qui sont là-bas, ça commence à faire un tollé, hein. Ça, c'est intolérable, tu vois. Je dis pas que dans 50 ans ou dans 100 ans, ça va pas arriver. Mais aujourd'hui, ça passe pas. Par exemple, la question qui est très très sensible en Afrique, c'est la question homophobe, tout ça, enfin l'homosexualité et tout, ça passe pas ici. Hein. Là, c'est pas une question de en Afrique en général, c'est pas ça. Même si il faut reconnaître, il y a des endroits, même au Mali, il y a des endroits qui sont connus par machin, mais en faire la promotion, l'égalité, la promotion des joueurs, etc. Ça, ils veulent pas l'entendre parler. Ils sont au Mali, ils sont au Sénégal. Même Macky Sall, le président sénégalais, l'a dit ouvertement. Il y a plein de personnes. Donc, il y a des choses qui. Et puis, il y a un mouvement aussi, pardon. Il y a un mouvement aussi, alors que moi, je trouve un peu dangereux, qui. Comment dire, c'est pas Black Power, parce que Black Power, c'est aux États-Unis. Mais retrouver, entre guillemets, comme dirait France Français, Aimé Césaire, notre négritude, entre guillemets. Donc, ce mouvement-là, qui est un peu minoritaire, mais qui commence un peu à exister, c'est, entre guillemets, tout ce qui vient des autres, on n'en veut pas. Alors, au Mali... excuse-moi, je suis Nicolas de Montréal. D'ailleurs, tout ce qui vient des autres, on n'en veut pas, mais en même temps, vous faites... En même temps, si depuis tout ce temps-là, depuis qu'il y a les industries françaises qui arrivaient, tout ça, si ça devait se faire, ça se serait fait, je pense, non ? Ah, je pense qu'ils ont raison, hein. Moi, je pense qu'ils ont raison. S'il y avait vraiment une volonté de que moi je te critique pas ton discours, mais s'il y avait vraiment une volonté que ça change, je pense qu'à un moment donné, on se serait. C'est pas bien, Mais là, je fais juste que répondre à ce que tu dis. Mais moi, ce que je pense, c'est à un moment donné, si ça aurait dû changer, ça aurait changé. Si ça ne change pas, c'est qu'il y a des gens
à qui, enfin, que ça va bien. Voilà. Belle musiquette qu'on a choisie spécialement pour toi, pour que tu te sentes bien, parce qu'on sait que de toute façon, tu ne l'as pas à la maison. Et ouais, on est bien organisé et on a regardé tes disques. À bord par ici, nous avons Christophe, il est à 41, il est à Montlo. Christophe à Montlo, vous êtes là ? Ah oui, pardon, je suis là. Et oui, pardon. Aymeric à 46, il est à Grasse. On sait pas trop, lui. Catherine, 57, la teste de bûche. Je suis là. Fix, 43, Valeroy. Toujours présent, Maurice. Moriba, 48, Bamako, Mali. Oui, présent. Soufiane, 41, à Vincennes. Présent, Maurice. Nicolas, 44, à Montréal, au Canada. Je suis là. Il y a quelqu'un d'autre qui veut parler à l'équivalent, je te prie. J'imagine que c'est moi, Maurice. Alexandre, 41 ans, de Pont-à-Mondin. Eh oui. Lama, on fait encore un petit tour avec Moriba, si vous êtes d'accord. Si vous avez des choses à lui dire, c'est le moment. Hein, puisque les... Anis-nous. Eh oui, donc c'est maintenant. Moriba. Ouais, moi j'ai peut-être une question pour Moriba. Allez-y. Ouais, je sais pas si on m'entend. Ben oui, on t'entend. Si tu parles, on t'entend, nous. Parle pas, on t'entend pas. Excuse-moi, Moriba, tu disais que l'armée intervenait plus rapidement ou plus souvent, je sais plus. Est-ce que c'est un lien avec le départ de l'armée française ou c'est autre chose qu'ils interviennent mieux? Quand c'est la guerre, Non, mais en fait, il y a quand même des faits qui prouvent que... Comment dire? Le président de la transition, il avait expliqué que sur certaines opérations qu'il voulait faire, on va dire la MINUSMA, c'est pas que l'armée française, parce que c'est la MINUSMA avait empêché que l'armée malienne intervienne. Donc, en ayant vu qu'il y a eu plusieurs actions, parce qu'il y a eu des tueries de masse, et il y a plusieurs cas, ils n'ont pas pu intervenir. Donc ils se sont dit bon ça a accroché quand même avec les états-majors entre guillemets sont accrochés. Ils se sont dit bon voilà, à partir de maintenant, étant donné qu'on est dans notre pays, ça c'est leur discours. Hein. Par contre, la personne qui mange des biscuits ou des trucs là, faut couper ton micro parce qu'on n'entend pas, ça couvre. voilà. Donc coupez votre micro là quand vous mangez des cacahuètes. Comme ça c'est plus poli en plus pour ceux qui parlent. Allez-y. Donc, en ayant demandé le départ de Berkane, en ayant demandé là le retrait d'Aminusma, ils se disent voilà, on a une liberté totale pour intervenir. Et dans les faits, il y a plus de liberté. Ce que je peux dire, hein. Ce qu'on voit, ce qu'ils nous disent, et après c'est relayé aussi par certains journalistes, surtout dans la BBC, on a plus, on va dire, des informations. Si on fait en ce moment, pour être honnête, Média France applique un peu le discours, même s'ils ne le disent pas, mais applique un peu le discours d'Emmanuel Macron, du président français, qui expliquait que voilà, il fallait contrer entre guillemets les trolls russes et les fake news russes. Et quand même, quand tu regardes dans le milieu anglo-saxon, il y a des informations qui corroborent un peu ce que la politique malienne fait. Je donne un exemple. Par exemple, là, ce qui se passe au Niger, on voit clairement que les Américains, ils jouent double jeu avec les Français, bon, comme souvent ils l'ont fait. Et même Macron l'a dit dans son discours la semaine dernière, si je ne dis pas de bêtises, ou ce week-end. Les Nigériens mettent la pression pour que l'armée française et la base française et l'ambassadeur français quittent le Niger. Mais ils mettent pas la pression sur les Américains. On sait qu'il y a des forces spéciales américaines avec des drones, etc., etc., etc. Donc, en ce qui concerne le Mali, le fait que, on va dire, qu'ils partent, il y a quand même, on peut noter quand même qu'ils interviennent un peu plus. Même si c'est pas parfait. Hein. Une question qui est peut-être idiote, mais ça représente quoi, mais Média France pour parce que j'ai pas la référence. Vas-y, balance.
Bah, écoute, non, je te demande. Ça fait plus d'un an, je crois, que France 24, RFI, même la TV5 ils ont un peu tiré par les oreilles. Ils sont plus diffusés au Mali, ni au Burkina. Okay. Si je dis pas de bêtises, au Niger aussi. Ouais. Ça commence à faire un peu beaucoup. C'est un média qui est censuré, tu veux dire, c'est ça? Ah non, mais ils sont, moi, par exemple, sur la chaîne Canal Plus, ils disent, mais le média n'est plus diffusé au Mali, enfin, n'est plus diffusé, tu vois. France 24, ni RFI, donc la voix. Mais c'est, c'est pour dire à la France qu'on veut plus de vous, donc ils arrêtent ces chaînes-là, c'est ça? Bah, en fait, le Mali, ils ont appliqué quelque chose, c'est la question de la réciprocité. Par exemple, là, il y a trois semaines, là, au mi-août, Air France a décidé de plus venir au Mali, au Burkina et au Niger, parce qu'ils estimaient que... Comment? Donc les Maliens, ils ont dit, écoutez, vous avez, entre guillemets, vous avez unilatéralement décidé de plus venir, donc on vous donne plus les créneaux. Donc voilà, maintenant ils font un peu la même chose. Alors, c'est vrai que l'année dernière, ça avait fait un peu de boucan en France, parce que ces médias-là, ils étaient un peu, on va dire, interdits en France, au Mali, pardon. Après, les Maliens disent aussi, vous avez, entre guillemets, quand la guerre a commencé, quand la Russie a envahi l'Ukraine, vous avez suspendu RT Russia TV en Europe. Voilà, donc vous avez plus de leçons à nous donner, quoi. Vous nous critiquez parce qu'il n'y a plus de liberté d'expression, etc. Mais moi, j'ai envie de te demander, c'est si vire la France, il va se passer quoi de plus ou quoi de moins, en fait, au Mali? Du Mali? Bah, il prive des gens d'une liberté d'expression, d'un point de vue. D'un point de vue français. Et là, forcément, s'il y a que le point de vue africain ou russe, c'est gênant. Non, mais après... Il se passe quoi de plus, en fait? Il se passe pas... voilà, c'est... Enfin, je veux dire, en fait, on est loin. Attends, il y a des gens qui vivent là-bas, qui sont français, qui ont des rapports avec l'Europe. Nous en France, tu peux avoir les informations chinoises en anglais de ton téléviseur, tu vois. C'est pas privé, c'est pas. On laisse en France les informations chinoises telles qu'elles sont dites en Chine, en France. Là, s'ils privent. Et on a enlevé les informations russes, par contre, en France. Il n'y a plus Rue Château d'Œil, il n'y a plus Spoutnik. Donc. Oui, voilà. On a aucune leçon à donner, hein. Aucune. Malgré nous, on est un peu en guerre contre la Russie. Malgré nous. J'ai pas dit que j'y étais ou, mais malgré nous, on est un peu en guerre contre la Russie. Si on envoie des armes. Peu importe le prétexte, tu peux pas faire genre, en France, on a toutes les informations, alors c'est pas vrai. Mais on va pas diffuser le média. Non, mais la Chine, on diffuse leurs médias parce qu'on n'a pas de souci avec eux. Peut-être que tu vas pouvoir nous citer le média malien que tu écoutes chez toi à Pontavanda ou que tu lis. Tu as les... Ah non. Ouais. Parce que les Français, ils sont souvent comme ça, et ils disent qu'on a les informations du monde entier, c'est-à-dire que le Mali, il fait pas partie du monde entier, donc bon, c'est des Noirs, ils ont pas d'informations à nous communiquer. Oui, voilà, ils sont entre eux, c'est des informations d'entre eux, on s'en fout, nous. D'accord, on va bloquer les informations. Et un jour, ça sera toi, Maurice. J'ai pas compris. Et un jour, ça sera toi. Qu'est-ce que je vais faire, moi, un jour? Non, mais. Un jour, ils bloqueront, c'est ce qu'il veut dire. Un jour, tu seras bloqué, Maurice. Bah, voilà, c'est ce qu'il veut dire. Je serai bloqué, mais par qui? Je comprends pas. Waouh! Non, mais vous êtes parti, pourquoi, moi, mais ouais. Pourquoi? Non, mais attends, mais par qui je vais être bloqué? Je comprends pas de quoi on parle. Qui va me bloquer? Moi non plus, tu vois. Donc, on revient sur la question. Non, attends, pardonne-moi, comment il s'appelle, Alexandre. Juste pour comprendre ce que tu dis, parce que moi j'aime bien comprendre ce qu'on me dit. Qui va me bloquer? Mais je t'ai jamais dit que quelqu'un est bloqué. Ah bon? La question était en... Il a pas dit un jour ce sera toi? C'est pas toi qui a dit ça.
C'est pas toi qui a dit ça. Un jour, ce sera toi. C'est pas toi qui a dit ça. Si. Non. Mais en tout cas, nous, on a tous cru que c'était toi qui l'avais dit, en tout cas. Alors je perds la boule. Navré. C'est pas de ma faute, ça, par contre, si tu perds la boule. Mais, Bon, parce que bon, ok. Très bien. Le mec, il dit des trucs, après, il sait plus. La question était simple. La question était en quoi c'est gênant qu'il coupe les canaux européens ou français en Afrique? C'est gênant parce qu'il diffuse les nouveaux gouvernements et le gouvernement russe. Est-ce que c'est gênant? C'est gênant pas pour moi. Moi, j'en ai rien à foutre. Ça va. Mais en Afrique, les mecs, ils écoutent tous CNN, hein. Ils écoutent CNN, peut-être. Il y a peut-être des satellites comme moi qui pour. Ils ont le satellite. Et faut pas le dire, mais Moriba, en fait, il a Internet. Moriba, justement, peut-être qu'il a accès à des chaînes françaises et que demain, si on lui coupe, ça embêtera. Non, mais Moriba, il est comme tous les mecs qui sont. Je comprends pas l'intérêt comme beaucoup de gens qui sont au Mali, ils ont Internet, quoi. Mais au Mali. J'ai pas dit que j'avais la connaissance. Quelqu'un a dit. Quel était l'intérêt de bloquer certains médias? Je dis, est-ce que ça ne serait pas ça? Et là, je veux dire l'intérêt, par exemple, le gouvernement malien, ce qu'il a fait, c'est dès que tu critiques le gouvernement malien, paf, il coupe. Ouais. Très simplement. Voilà. Dès qu'un journaliste... Dans pas mal de pays, voilà quoi. Comme dans pas mal de pays africains. Ben, comme chez nous d'ailleurs, pays, pareil que chez nous. Le jour où les Chinois vont défoncer le gouvernement français, ben, les chaînes chinoises seront interdites en France. On a vu avec la guerre en Russie, il y avait des Russes qui n'avaient rien demandé. Je regrette un peu, Christophe, mais je pense qu'on manque un peu de fermeté pour faire un truc pareil. Mais bon. Mais Maurice, on a fermé les chaînes russes parce que. Justement, les Russes disaient des trucs. On a fermé les chaînes russes parce qu'on était avec les autres. On les a pas fermés. On n'a pas mis nos couilles sur la table et on n'a pas dit à Vladimir Poutine, écoute, maintenant tu nous fais chier, on va couper des trucs. Notre président, il est allé là-bas, Poutine s'est foutu de sa gueule. Il lui a dit, tiens, regarde, on a une table de 12 mètres de long, tu vas te mettre au bout et je te parlerai tout à l'heure. C'était quand même très dur. Enfin, moi, je pense pour nous, elle était ridicule. Ah ouais, c'était très ridicule. Dur quand même pour nous, très très dur. Humiliation même, je dirais. Ouais. Ah ouais, j'avoue que moi, j'ai mal dormi ce jour-là. J'ai assez mal dormi. Et là, tu me dis, ouais, on est ça, quoi. Ouais, j'ai trouvé que c'était bon. Enfin bon, ouais, c'est bon. Voilà. Ouais, c'était pas très valorisant, on va dire, pour notre pays, et donc pour nous tous, enfin pour ceux qui ont un peu l'intérêt pour le pays. Mais enfin bon. Après Maurice, sincèrement, quand tu vois l'image, t'as quand même l'image de quelqu'un qui a certainement du pouvoir, mais qui est quand même vraiment mégalomane, quoi, par rapport à un Macron De quoi tu parles, pardonne-moi, de qui parles-tu? De qui tu parles? Je parle de la rencontre entre Poutine et Macron. Poutine, il a juste rappelé qu'on est un petit pays. Ouais, c'est ça. Il nous a juste rappelé qu'on était un petit pays. On est venu, notre président a débarqué en Russie, comme s'il allait faire des choses. Tu lui as dit, attends, c'est quoi ton pays encore? J'ai pas compris. Vous êtes où exactement sur la carte? Parce que je vous vois pas. Je vois l'Inde, je vois la Chine, mais vous êtes qui? Tiens, t'entends que je parle ou pas? Tu entends que je parle ou pas? Non, t'entends pas? Ah, parce que je suis en train de parler. Voilà, mais ça sert à rien de parler en même temps que moi, vieux. Non, mais je sais que je sais pas si j'ai raison, mais c'est comme ça qu'on fait, voilà. Je me demande même pas si j'ai raison. Donc voilà, je vais finir. Donc lorsque notre président est allé faire ce qu'il a vu faire par ses prédécesseurs, faire la France, Vladimir Poutine l'a reçu en disant, bon, écoute, t'es bien gentil, Roger, c'est quoi votre nom? Bon, parce que il nous a rappelé qu'on était un petit pays. Et nous ne pouvions agir contre la Russie qu'avec tous les autres, et particulièrement les Américains.
Parce qu'effectivement, on est un petit pays de 63 millions de Français face à la Russie c'est la Russie, quoi. Bon, voilà. Oui, mais enfin, c'est méprisant, Maurice. Sois d'accord, on est quand même. C'est pas méprisant. Le mec, il parle avec l'Inde, la Chine, les États-Unis. Qu'est-ce que nous, quoi? Vous êtes beaucoup ou pas? Un clochard différemment d'un. On n'est pas. Il nous a rappelé qu'on était en 2023, qu'on n'était pas au siècle des Lumières, et que voilà qu'aujourd'hui la France était un petit pays qui comptait s'il était qu'avec les autres Européens, et que tout seul, c'est ce qui est vrai. Tout seul, bon, on pèse pas lourd face aux Russes. Ouais, mais enfin, est-ce que c'était utile d'être méprisant? Je ne pense pas. Mais il n'a pas été. Diplomatie. De la même manière que tu comprends pas à quoi servent les médias à l'étranger, tu comprends pas non plus. Mais il n'a pas été méprisant. Il n'a pas été méprisant. Il y a les gentils et les méchants, en fait. Et il n'a pas été méprisant. Il a reçu notre président l'a harcelé au téléphone et il a accepté de le recevoir. Mais notre président est venu en disant partout oui, je vais le faire infléchir, etc., machin. Bon, le mec, il l'a reçu, il a été poli. Ah, c'est ce qu'il a fait, il a été poli, mais qu'est-ce que tu veux qu'il lui dise bon, merci, allez, bonne journée. Et après, l'autre a continué à le harceler. Bon, notre président, il a arrêté de le faire. Parce qu'il a compris que Vladimir Poutine, c'est le président de la Russie, c'est pas le président du Venezuela, quoi. Voilà, point. Salut. Bonne route. Le jour où nous, on comprendra ça, le jour où on comprendra qu'on est un petit pays, on va reprendre du poil de la bête. C'est-à-dire que le jour où on va se dire, on va comprendre qu'on est 63 millions, c'est-à-dire très peu face aux autres, là, on va sans doute se réveiller. Hey, tu savais que Maurice a un répondeur? Eh oui. Si tu as quelque chose à dire, tu peux lui envoyer un message audio. Tu te présentes, hein? T'es poli. Mais tu peux lui dire ce qui te passe par la tête. Envoie ça à maurice@mauriceradiolibre.com et tu t'entendras peut-être pendant l'émission. Tu écoutes Maurice Radio Libre et tu as envie d'y contribuer? Tu es plutôt du genre créatif, actif, participatif? Alors rejoins le comité des auditeurs actifs de Maurice Radio Libre. De la BD au poème, tu vas forcément trouver la place qui te permettra de soutenir concrètement la radio que tu as choisi d'écouter. Viens! Mon 49 ans tremblait en France. J'ai découvert l'émission de Maurice sur WeFM en 1993, mais j'étais pas encore prêt. J'y suis revenu plus tard, à la période de Skyrock, et cette fois était la bonne. J'ai rejoint le comité des auditeurs actifs en 2016 et j'y coupe les émissions quotidiennes, mais également les archives que vous pourrez ensuite acheter dans la boutique. Une boutique de podcast qui est un peu comme une machine à remonter dans le temps. Pour rejoindre le comité des auditeurs actifs, il suffit juste d'un peu de volonté et d'imagination. À bientôt. Maurice Radio Libre, la radio carrément rock, la radio carrément libre. C'est pas parce que Maurice Radio Libre est gratuite que ça ne coûte rien. Fais un don à ta radio préférée ou va faire un tour dans la boutique. Toi, tu t'es ennuyé ce week-end. Il n'y avait pas d'émission. Moi, j'étais avec Maurice. Ça a duré des heures. Comment j'ai fait? Je suis passé dans la boutique Maurice Radio Libre et j'ai pris un pack hyper best-of période syndication. Organise-toi et va dans la boutique. Maurice, c'est ton meilleur ami, même le week-end. Message d'Arcas, il a 40 et il est Vérin. Il doit être un peu plus loin maintenant. Il a envoyé ce message qui dit: salut Maurice, j'étais content hier de ton retour. J'étais content ce soir quand j'ai vu 21h s'afficher sur le tableau de bord. Mais là, les discussions morbides comme ça, ça me refroidit. Et pourtant, je ne suis pas mort. Je n'ai pas spécialement peur de la mort. C'est une fatalité, je suis comme toi. J'aimerais que ce ne soit pas violent et douloureux, mais je n'ai pas besoin de connaître les détails de comment embellir les cadavres, mais bravo à ceux qui le font. Le contraire de la mort serait la naissance, voire la conception. Bon, c'est quand que ça part de cul, bordel. Allez, je continue ma route avec cette magnifique musique que ton équipe et toi nous proposez. Merci et bonne soirée. Ah, c'est pas mal ça, il écrit bien. Tu vois, finalement, les routiers, ils savent écrire un petit peu. Un message de Céline, elle a 56, elle est à Paris. Elle dit: hello Maurice, je me faisais cette réflexion en écoutant l'épanchement égocentré de Christophe depuis hier.
Je me souviens de ces frictions récentes et répétées avec Alexandre de Strasbourg. Je me disais la chose suivante. Finalement, n'ont-ils pas plus de points en commun qu'il n'y paraît ? Christophe te demandait moult conseils pour monter son salon de guérisseur-thérapeute il y a quelques semaines. Alexandre revient chaque début de saison avec un nouveau fantasme de société qu'il monterait le jour où il aurait enfin envie de bosser. Christophe n'a pas les moyens d'avoir un cheval, mais il sait que ses amis ou voisins le prendront en charge. Alexandre se fait prendre en charge et s'est organisé pour ne rien faire et se faire prendre en charge par la communauté. C'est drôle, non ? En tout cas, la mort est un métier qui a de l'avenir et ça, c'est rassurant. Sauf pour Ludovic, car c'est un métier qui n'existe pas. Oui, il faut suivre régulièrement l'émission pour comprendre mon message. Alors, si vous êtes perdu, foncez dans la boutique de Maurice Radio Libre pour acheter les épisodes manquants de ce feuilleton définitivement unique. Maurice, j'ai personnellement surtout très hâte que tu nous racontes tes vacances. J'ai très envie de savoir quelles aventures tu as vécues. Bonne soirée, Céline. Ça, c'est bien envoyé. Et Arcas... Arcas entre Montauban et Toulouse, donc 40 balais ici aussi au milieu de n'importe où. J'ai entendu dire, un jour, ce sera toi. À bord par ici, regardez, c'est la fête. Nous avons Christophe, il a 41. Il est à Montlo. Pour votre plus grand plaisir. Emmerich a disparu, je pense. Vous êtes là, Emmerich ? Ouais, Emmerich, il a pris ses cachets. Catherine a 57, elle est à la teste de bûche. Oui, je suis là. Elle a la patate, elle tient le choc. Fix à 43, il est à Valeroy. Ah, je balance la patate, la courgette et même la tomate. Hein. Et ouais, Moriba à 48, il est à Bamako, Mali. Oui, présent. Comme quoi, tu vois, on peut rester au Mali, faire des conversations de plus de 10 minutes sans être coupé. Sofiane à 41, il est à Vincennes. Présent, Maurice. Nicolas à 44, à Montréal, au Canada. Je suis là. Alexandre, il a 41, à Pont-Aventin. Oui, Maurice, c'est ça. Eh oui, on va écouter Sofiane à Vincennes, si vous voulez bien. Oui, j'ai une petite question pour Moriba, par rapport au Gabon, au président de la transition, notamment. Si t'as des informations... Ouais, comme t'es avec les Noirs, peut-être que tu sais tout ce qui se passe. Tu les connais tous, non, non, vous vous connaissez tous, vous connaissez tous, vous mangez ensemble, non, hein, tu le connais, ce monsieur, toi qui es noir et qui est au Mali. Comme ça, c'est pas encore arrivé. Non, non, je suis pas au courant de ce qui se passe au Gabon. Enfin, j'ai suivi comme tout le monde l'actualité, mais. Bah, t'es sûr que t'es sûr que t'es au Mali? Parce que les Africains, ils sont en Afrique, donc bon, quoi. J'imagine que tu l'as déjà croisé. Non, je pensais que t'avais des infos, désolé. C'est bien, Sofiane, t'es bon, hein. Tu joues bien le rôle de la, tu sais, celle que j'appelle la, ce que j'appelle, il y a toujours dans les groupes où il y a des gonzesses, il y a toujours celle que j'appelle la stupide idiote. Celle qui dit des trucs comme ça. Alors oui, toi qui es au Mali, alors le Niger, le président, tu le connais? Et le Sénégal, alors, qu'est-ce que t'en penses? Ça me faisait penser, je me faisais la réflexion que quand même au Gabon il a eu 50 plus de 50 enfants le président Omar Bongo. Et oui. Et du coup ça a fait toute une histoire même apparemment c'est enfin il a eu 50 enfants surtout pour le fisc hein parce que c'est des enfants surtout qui sont propriétaires de sociétés, de biens immobiliers, etc. hein. Hein, c'est... Oui, les biens mal acquis, ah oui. Notamment. Oui, ça va être très difficile. Ce serait des blancs, dit en africain, non ? Ce serait des... Pardon. C'est nul. Non, on n'a pas compris ta blague, peut-être que tu peux nous décrypter. Enfin, moi, quelqu'un a compris. Non, j'allais dire, oui. Nous, on utilise le mot nègre pour utiliser un faux nom ou un prête-nom pour les écrivains.
un nègre, et donc ça serait des blancs. Moi, je te dis, c'est nul. Je te dis, c'est enfin, nul. Un prêtre, non, c'est pas un nègre. Hein. Un nègre, c'est quelqu'un qui écrit pour un auteur. C'est, mais c'est pas. Ouais, bah, je vois pas ce que ça vient faire avec Omar Bongo, à part. Mais c'est que mauvais goût, de toute façon. T'inquiète. Ouais, elle a pas marché, ta blague. Celle-là, faut pas que tu l'effaces. Fais-les. Peut-être au bar de Bontavanda, vous êtes entre racistes, vous pouvez les faire. Parler des noirs comme ça, en disant oui, c'est les nègres, oui, c'est des prêtres non, je sais pas quoi, n'importe quoi. Bon. Vas-y, Maurice, on peut pas. Moi, j'ai vu le président et c'était. Ah, tu l'as vu? Le président? Ouais, président gabonais. Ah, il est venu chez toi? Non, mais je l'ai vu à la télé. Ah, pardon, je n'ai pas compris. Ah ouais. Ah bah oui. Et alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a applaudi. J'ai pas compris. Il était applaudi parce que en fait, il fait la transition dans un pays où c'est compliqué par rapport aux liens. Il a été applaudi par qui? Par les gens qu'il avait rassemblés autour de lui. Ouais. C'est moi ça. Aussi, je suis souvent applaudi par les gens que je rassemble. Par contre, ceux qui me connaissent pas, ils m'applaudissent pas. Bon, attention, Sofiane, hein, le fait que, t'as pas remarqué les animateurs dans les chaînes de télé, ils sont tout le temps applaudis, hein, mais après, quand tu regardes les audiences, parfois, ils ont été juste applaudis par les mecs qui étaient sur le plateau, les autres sont pas venus voir l'émission. Et ouais. Bon, pardon, mais c'était, je digresse, mais bon. Oui, Sofiane, vas-y. Oui, Maurice. Eh ben, non, c'est comment dire, c'est assez incroyable, je trouve, ces pays en Afrique qui comment dire, je me sens un peu panafricain blanc, un peu quelque part. Ouais, parce que t'es à Vincennes. Moi, je suis à Vincennes. Ouais, il y a plein de gens. Je pense que Mélenchon aussi se sent un peu panafricain blanc. Je sais pas quoi, parce qu'il est chez lui là-bas dans son appart à deux bars. Après, être avec Moriba au Mali, c'est pas la même ambiance, hein. C'est pas pareil. Là, c'est pas pareil. Moriba, c'est lui qui faisait du miel, non? Non, je me trompe. C'est une erreur. Comment? Moriba, c'est pas toi qui faisais du miel, non? Si, avec si, apiculteur. C'est ça. Ouais, mais comme t'as dit que tu faisais de l'apiculture pour un noir, c'est bizarre. Donc ils se disent tu fais du miel, non? Non, j'ai dit du miel. Parce qu'il l'a dit tout à l'heure, Moriba. Mais il a dit apiculture, il a pas dit miel. J'ai une autre question, non, Moriba, pour toi. Je me rappelle de Moriba du temps de chat de seconde. Je termine qui disait Anis nous et sous Annie. Ouais, donc c'est pour ça. C'est ce qu'il a dit ce soir en arrivant. Donc. Oui. J'étais pas là en arrivant. Oui, mais nous on était là donc. Ah oui, je me rappelle de lui. Je me rappelle de lui. Très bien. Et donc nous on doit tous s'arrêter parce que toi tu te rappelles de lui donc on parle plus, on t'écoute en train de rappeler tes souvenirs parce que nous on va continuer à parler si tu nous donnes l'autorisation. Non, vas-y, non. On peut? Bon, très bien. Il y avait quelqu'un d'autre qui voulait parler. Enfin, non, c'était Sofiane qui voulait parler. Allez-y, Sofiane. Oui, savoir, en fait, si c'est intéressant, les films de Nollywood, du Nigeria. Parce qu'apparemment, ils en font beaucoup, mais ils ont un petit budget, hein. C'est 20 millions de, j'ai regardé un peu, 20 millions de, pour faire la production, de Nollywood, mais je sais pas ce que ça vaut. 20 millions de quoi? En dollars ou en euros. Ah, c'est un petit budget, 20 millions de dollars. Ouais. C'est un petit budget. Ouais. Non, c'est possible. Bah, c'est ce que j'ai vu un peu sur. J'ai regardé un peu sur internet, mais. ouais, j'ai vu. C'est 20 millions de dollars. De Naira, la monnaie du Nigeria, mais c'est un dollar. Impossible. 20 millions de dollars, c'est ce que c'est. C'est énorme. C'est pas beaucoup. 20 millions de dollars, c'est énorme. Alors, le budget moyen d'un long métrage au Nigeria est de 12 000 euros et son tournage dure une semaine environ. La grande majorité des films est tournée en vidéo et non en pellicule parce que c'est trop cher. Alors, après, il y a Nollywood. Qu'est-ce que je lis? C'était en 2008. Un cinéma qui me plaît pas. Voilà.
mais voilà, ce qui est budget, 15 000 dollars par film en moyenne, Sofiane. Il faut que tu te remettes à la lecture un petit peu, Sofiane. Hein. Faut, oui, faut j'ai... rembourser. Oui, j'ai de quoi faire. D'ailleurs, j'ai remis un peu quelques affaires. Parce que je pense que tu dois faire une petite confusion entre 20 millions et 20 000. Il faut que tu rebosses les chiffres. L'ensemble de la production là-bas, quoi. Mais moi, je sais pas. Je lis. Je le savais pas. Je lis. Voilà. Les budgets donc de Nollywood. On tourne vite en deux semaines avec de petits budgets, 15 000 dollars en film par film en moyenne, directement copié sur cassette vidéo ou DVD. Voilà. Les films sont vendus pour 350 Nera, un peu moins de 3 dollars. Voilà, c'est ce que je lis, je le savais pas, hein, c'est quand t'as évoqué le truc. Donc il faut juste que tu rebosses un peu les chiffres, les 3-0, 2-0, et après que t'arrives à les écrire en bas. Pourquoi pas faire des films aussi d'ailleurs. Bah c'est pas grave. Par contre le mec de Franprix à Vincennes, il doit rigoler, non? Il doit te faire payer 500 balles tes courses. Tu veux dire oui, ça, quand t'as 50 euros, il dit c'est 500. Donc, tu dis putain, c'est hyper cher. Bon, pardon, c'est de la taquinerie. Vas-y, Sofiane, ne te laisse pas décontenancer. Ouais, exact. Non, c'est vrai. Du coup, j'ai passé plutôt un bon été. Je suis content de parler, Maurice, et puis aux auditeurs aussi. Alors, c'est quoi un bon été? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu la copine. J'ai vu la copine ou je suis parti avec elle? Ouais, on a passé du temps ensemble en vacances. Qu'est-ce qu'on a fait? On est allé où? Entre la Drôme, l'Ardèche, vers là-bas. Entre la Drôme et l'Ardèche, vers Valence. Au Camadour. On était ensemble. Ouais, on était ensemble. Qu'est-ce qu'on. Parce que là. Ouais, il faisait chaud, hein. Franchement, il faisait chaud. Alors, elle s'est beaucoup déshabillée quand il faisait chaud ou pas? Bah oui, au bout d'un moment, forcément. Et donc, là, l'histoire est comment? Elle est belle, là, ça. Ça pousse l'histoire ou c'est retombé avec le retour en région parisienne? Ouais, c'est un peu retombé, hein. Ouais. Ouais, puisque c'est plus le moment où tu. Ouais. Ouais. Mmh. Et comment c'est ça. Bon. Pourquoi c'est. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit quoi? Non, j'ose pas trop te le dire, Maurice, parce que c'est enregistré, mais je vais te le dire quand même. Je lui ai fait des massages et je me suis endormi, Maurice. Ah bon? Ouais, elle l'a mal pris. Parce qu'elle m'a dit c'est la deuxième fois, machin. Mais comment ça se fait que tu... Ah oui, mais tu fumes des pétards, non? Ah ouais. Et ouais, ça doit pas aider à rester réveillé. Donc tu t'es endormi en lui faisant des massages, et donc ouais, la gonzesse, elle l'a mal pris, je la comprends. Ouais, c'est ça, bah ouais. Et ouais, parce qu'elle elle du pense. Du coup, bah, on se tient au courant, mais. On se tient au courant. On sent pas. Au mieux pour faire une chatte que tu mets du pétard, là, tu déconnes, gros. Au mieux pour faire sa chatte que. Ça, là, tu déconnes. Moi, je pense, pour m'intéresser à ce que tu nous as raconté à propos de cette fille, j'ai l'impression quand même que t'es pas hyper motivé, quoi. Parce que, bon, pour s'endormir quand tu masses une gonzesse, ça veut quand même dire que la gonzesse, elle te réveille rien chez toi, hein. Bah si, quand même, mais... Bah regarde, si tu t'es endormi, ça veut quand même dire que c'est peut-être pas la gonzesse qu'il te faut, non? C'est faudrait que tu rejettes un nouvel appât dans l'eau et que tu essaies d'attraper un autre poisson, non? Tu crois pas? Non, parce que bon, c'est vrai que c'est pas la première fois que tu t'endors quand t'as un contact charnel avec elle. Ça veut dire quand même que elle te tient pas éveillé, quoi. Hein? Non, c'est vrai. Bien vu, Maurice. Mais vous avez passé un bon été quand même, alors. Ouais, on a quand même passé un bon été. C'était quand même bien. Hein. Vous êtes partis quoi, trois jours ensemble? Quand même ou pas? Ouais, beaucoup. Ou t'as dormi à chaque fois? Non, j'ai pas dormi tout le temps. Non, il regardait la télé les autres soirs. Non, il y a pas de télé. J'ai pris un truc sans télé. Non, il y a une petite rivière et tout, c'était mignon. Hey. Oh,
Et c'était de la pêche. Combien de temps vous êtes resté? Non, il n'y a pas beaucoup de poissons. On voulait, mais je me suis dit, on ne sait jamais quand même. Ah, tant qu'on est là, il faut titiller le cookie, tu vois. Là, t'as la pêche. Et combien de temps vous êtes parti entre la Drôme et l'Ardèche, là? Quelques jours, un peu moins d'une 5 jours. 5 jours après. Et ça a pas... bon. Vous êtes parlé un peu sur le trajet du retour ou pas trop? Ouais, bien sûr, ouais. Mais... ouais, je peux pas dire trop de détails, mais... Pourquoi? Elle écoute. T'as enregistré, ça m'embête de parler de... Mais elle écoute pas, on s'en fout. Tu vas pas dire, tu vas pas donner son nom ni la dénigrer. Non, bien sûr. Alors qu'est-ce qu'il y a? C'est... Ouais, t'as raison, quelque part, dans ce que tu me dis, c'est que... C'est, je elle me tient pas éveillée, quoi, donc c'est vrai que... ça va à l'encontre un peu de ce que je veux, d'être éveillé, oui. Ouais. Bon, ça marchera pas avec celle-là, quoi. Bon, de toute façon, elle doit te trouver con, non, un peu. Hein, non, rien. Honnêtement. Je l'ai pas vu venir, c'est la fois. Oui. Là, elle l'a pas dit ou pas? Elle l'a dit? Bah, elle me l'a pas dit. Tu l'as pas dit? Tu l'as senti celle-là, moi. Tu l'as senti ou pas? Non. Ah, sur le chemin du retour, entre la Drôme et Bourges, quand elle regardait par la fenêtre, au lieu de te parler. Ouais, je sentais que, ouais, t'as raison. Ça sent quand même quelque part, excuse-moi, Maurice, ça sent un peu le, pas le vécu, mais les trucs un peu, Ah mais moi j'ai vécu plein de trucs avec plein de gonzesses. Mais en général, si elle me tient pas éveillée, je la masse pas. Je dis écoute ça, on va pas le faire. J'ai sommeil. Allez, bon à bientôt. Et moi je sais partir. Ma force c'est de savoir partir. Fait, moi. Ce que j'ai fait, je me suis barré. Je suis capable de dire, je te propose, va voir le ruisseau, etc. Je pars comme Christophe de Montlot. Je pars en stop s'il faut. Je te laisse la voiture comme ça, tu seras pas angoissé. Je me débrouille. Allez, bonne fin de séjour. Elle a la fille, elle dit, mais la voiture, c'est la mienne. Non, moi, je pars rarement dans les bagnoles des autres. J'aime bien avoir un peu d'indépendance, de pouvoir choisir. Je me souviens, une fois, j'étais parti avec des mecs en Italie. Bon, ça, j'étais étudiant, on n'avait pas de fric. On est parti en Italie et le mec, il avait une Renault 12 break automatique. Bleu nuit. Automatique. Ouais, automatique bleu nuit. C'était vraiment un ovni, hein, le truc. Ça existait pas, des caisses comme ça, il n'y en avait pas. Et avant de partir, je me souviens toujours, j'ai ouvert le capot. Je lui ai dit, on va regarder quand même. Et j'ai trouvé que le liquide de refroidissement était un peu marron. Et je lui ai dit, ça sent le joint de culasse, ce truc. Il m'a dit non, mon père est mécanicien, je sais pas quoi, il m'a fait tout un truc, je sais pas quoi. Et effectivement, on est parti, et après les tunnels de la Spezia, là, le truc de la caramel, elle a dit stop. Donc il y a Lacci, l'automobile club italien qui est venu récupérer la truc, et moi je leur ai dit, bon, allez... bonne vacances. Je me suis barré. J'ai pris le train à Gênes, je crois. Je me souviens. J'ai dormi. Parce qu'il y avait pas de train. J'avais réussi un truc et j'ai dormi dans un. J'avais un sac à viande. J'ai dormi dans mon sac à viande à la gare de Gênes, par terre, dans les trucs. Et il y avait des mecs qui rôdaient. Et il y a une gonzesse qui à un moment est venue me voir, moi j'étais un peu dans le cirage, elle est venue me voir, elle m'a dit « Ouais, est-ce que toi t'es français ?» Je dis « Ouais ». Elle me dit « Est-ce que ça t'embête si je viens dormir près de toi là-bas parce qu'il y a des mecs qui tournent et tout ça ?» Je lui dis « Oui, je me suis rendormi, je crois. » Donc j'aurais rien pu faire pour elle. Mais je me souviens de cette demande, je me souviens pas de la gueule de la fille, mais je me souviens de cette demande. Donc à partir de là, je me suis dit « Il ne faut plus jamais que je parte avec des... que je parte avec sans être capable de me débrouiller pour rentrer. »
Donc je pars pas dans les véhicules des autres. C'est vraiment très rare que je parte dans les véhicules des autres. Très très rare. Ouais. Ouais, ni culotté, c'est pas pour toi, quoi. Ouais. J'ai pas compris. Faut que tu parles mieux dans ton téléphone, Alexandre. Ah non, j'aimerais. Nu et culotté, c'est pas pour toi. J'irai dormir chez vous. Bon, c'est un trip spécial, quoi. Je sais pas si tu connais son trip. Bon, je connais, je pense que Maurice kifferait, je vois pas le problème. Non, je vois pas le rapport, Alexandre. Toi, t'as fumé un petit peu, Alexandre, ce soir, non? Un petit non, peu. Non, je suis pour non, éloigner la souffrance, non? Non, mais non, je suis pour respirateur. Un petit peu, non, attends. Je t'avoue que de temps en temps, j'aimerais bien, mais non. Bah, non, tu peux me le dire à moi, tu peux me le dire. Allez, on est bien, on est entre nous. Mais Maurice, je te le dirai. Qu'est-ce que j'aurai à cacher? Non, t'inquiète. Si un jour je fume un pétard, Non, mais je ne suis pas inquiet, moi, personnellement. Je me demandais juste si t'avais pas un peu fumé. Non. Bon. Malheureusement, c'est mon état naturel. Ouais. Ah ouais? Non, je suis vraiment comme ça. Ouais. Oui. Oh merde. Et oui, les gens autour de toi doivent pas toujours être à l'aise, hein, quand même. Je suis pas à l'aise, je suis naturel. C'est... Oui. Je reste. Bon, donc Sofiane, qu'est-ce qu'on fait avec Marlène là? On la remet au pot. Qu'est-ce qui se passe? Bah, on va voir la suite au prochain. Elle est déjà au pot. Oui, elle est déjà au pot. Ouais. Enfin, elle est plus au pot parce qu'il y en a un autre qui a pris son ticket, non? Elle a pas un autre mec. C'est un don de la farce, ouais, c'est vrai que. Mais j'espère que non, quand même. Non, je pense pas, mais. Bon, en même temps, si, peut-être un peu. Hein. Elle a pas un autre mec, quand même, cette fille. Elle non, ça. Non. Sofiane, enfin, putain. Bah écoutez, les autres fois parler, quand même. En plus, je pourrais fouiller dans son téléphone parce que j'ai le. Mais pourquoi tu veux fouiller dans son téléphone? Bah non, mais ça se fait pas. Bah bien sûr que non, pourquoi tu fais un truc pareil? Non, mais bon, elle peut avoir... parce que, bon, votre histoire, elle est pas intense, quand même. Hein, c'est un peu... Elle est un peu diluée, votre relation, non? Elle est un peu flottante. Ouais, non, je sais pas... C'est pas aussi génial que ce que j'espérais. Et alors, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle t'a dit quelque chose, elle? Elle m'a dit pas mal de trucs. Hein, je me demandais si c'était pas une histoire que tu avais inventée, un peu. Non. Elle existe vraiment. T'as le droit d'inventer, mais... Non. Elle existe vraiment, cette fille. Elle existe, elle est pas très loin, d'ailleurs. Aïe. Et elle écoute? Non. Non, j'espère pas, non. J'espère qu'elle écoute pas, non. Non. Tu lui as dit ou pas? Ouais, je lui dis. Tu lui as dit que tu parlais d'elle un peu ou pas? Ouais, mais j'étais discret, donc j'espère qu'elle va pas écouter. Tu parles, elle va écouter, oui. Ça serait tellement drôle qu'elle écoute, et tu nous rappelles pour nous raconter si jamais elle écoute. Hein. Mais elle doit écouter. Oui. Même nom, elle écoute, qu'elle connaît. Elle écoute, c'est vrai que ça. Moi, je suis sûr qu'elle écoute, ouais. Bon, magnifique. Ah oui, en plus, si Sofiane il est un petit peu fumé, là, il va partir en parano. Il va débarquer chez elle à 2h du matin et il va faire comme le copain Emmerich, là, il va finir avec deux gendarmes après la bagarre. Non, je veux pas d'histoire. Oui. Bon, très bien. Nicolas, à Montréal, au Canada. Je suis là. T'as toi la main. Non, bah, ouais. Je voudrais revenir avec notre ami du Mali. Moriba s'appelle notre ami du Mali. Moriba, excuse-moi, j'ai oublié ton nom. Je voulais savoir, toi, est-ce que tu penses vraiment qu'en Afrique, ça va changer ou moi, je pense que ça changera pas. Hein. C'est pour revenir à ce que je te disais tout à l'heure, là. L'argent, tu sais, c'est comme l'argent qu'ils ont découvert chez Bongo, hein, le Gabonais. Je pense qu'il y a autant d'argent chez les dirigeants maliens ou du Niger, mais je pense qu'avec cet argent-là, si on aurait dû faire des... Si on avait dû faire. Ouais, s'ils avaient, enfin c'est eux, hein, c'est pas moi. Ah bon, tu fais pas toi. Ils l'auraient fait depuis longtemps, quoi. Non, je sais pas, tu penses vraiment qu'il y a des choses qui vont changer, honnêtement?
Moi, je pense que, ouais. Je pense que, ouais, c'est... Déjà, il faut comprendre que l'Afrique, c'est un continent très jeune, beaucoup, beaucoup jeune. Puis, quoi qu'on en ait, ces variants, que ce soit dans le nord, avec le Maghreb, ou l'Afrique de l'Ouest, ou l'Afrique de l'Est. On t'entend pas très bien, Moriba. Moriba, il faudrait que tu te rapproches un peu du micro, oui. Parce qu'on a, ça a une résonance. Qui fait que qu'on t'entend pas très bien. Faudrait que tu te rapproches un petit peu du micro. Moi, Moriba, j'ai l'impression en fait que l'histoire en fait elle se répète, quoi. C'est avec ces coups d'État, ces trucs où on tient, oui, il y a des sacs et des valises de billets. J'ai l'impression en fait que l'histoire se répète, mais que ça n'avance pas pour autant, quoi. Je pense qu'il faut regarder ça dans la globalité, dans l'histoire, on va dire, moderne de l'Afrique. Le système, par exemple, en Afrique, il n'y a pas eu de révolution industrielle, tu vois, quand tu regardes bien les choses. La révolution industrielle, elle existe aux États-Unis, elle existe en Europe. Vous m'entendez bien? J'ai l'impression qu'il y a de l'industrie, enfin, qu'il y a des chaînes de production, si tu veux, mais qu'elles ne sont pas tenues par les Africains, qu'elles sont tenues par les Chinois, les Russes ou les Libanais, mais que quand j'en entends certains dire oui, alors oui, non, la France, faut les mettre dehors, alors ils pourraient très bien tenir le discours envers d'autres personnes, attention, à dire les Chinois dehors, machin, mais j'ai l'impression que s'il n'y a pas des gens extérieurs, en fait, il se passe rien, quoi. Tu vois, en fait, il n'y a pas des choses comme, je sais pas moi, une usine d'embouteillage. Bon, tu sais, il faut une chaîne de production, si on peut appeler ça comme ça. Mais j'ai l'impression que gouvernement comme les gens, en fait, il y a très peu de personnes comparées à ce qui pourrait être. Voilà, ce qui pourrait être, comme c'est un continent qui est quand même pas mal riche. Et j'ai l'impression que c'est des gens de l'extérieur qui viennent exploiter ça, quoi. Et que les Africains, en fait, il y en a qui exploitent aussi le filon, mais qui sont pas majoritaires, quoi. Voilà. Mais c'est pas un problème en vérité que les gens viennent de l'extérieur. Pour moi, je vois pas que ce soit un problème que les gens viennent de l'extérieur. Le souci qu'il y a, c'est que, comme tu es en train de le dire, toi, tu espères que tout vienne de l'État. En fait, ce qu'il faut. Non, c'est pas que j'espère que nous viennent de l'État. C'est que quand on tient un discours, on dit dehors ceci, dehors cela. Je veux bien. Chacun pense ce qu'il veut là où il est. Mais après, j'ai l'impression que s'il n'y a pas des choses de l'extérieur, ça n'avance plus, quoi. C'est l'impression que ça me donne. Après, bon, moi je suis pas sur place. Peut-être que c'est différent, mais c'est un peu ce que ça me donne, quoi. Comme Il y a quand même beaucoup d'initiatives. Il y a beaucoup d'initiatives. Je vais donner un exemple. Il y a un jeune au Sénégal qui a développé des fraises. Une fraise au Sénégal avec une température moyenne de 27 degrés. C'est pour te dire. Tu vois, ça fait 4 ans, quand je le suis sur Facebook, et ben le type, il a gagné des tas de prix. Aujourd'hui, il est une référence en Afrique de l'Ouest et même en Afrique. Tu vois. Mais tout seul, hein. C'est formulé tout seul, etc. Il y a de plus en plus d'initiatives comme ça qui se mettent en place. Le truc, c'est que toi, ce que je comprends de ce que tu dis, c'est que t'espères ou tu penses que l'État, on parle de l'État du Mali, va dire voilà, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Non, je pense qu'il faut déjà qu'il y ait un tissu d'entrepreneurs individuels. Après, le truc, c'est aujourd'hui, par exemple, il y a des amis qui disent « Ouais, tu ramènes plus de mieux en France. » Je dis « Mais écoutez, moi, la production, elle est assez petite. J'ai un marché local qui est intéressant. » Et le Covid qu'il y a eu il y a 2 ans, nous rappelle aussi que, c'est vrai, le travail à l'international, c'est une bonne chose, mais il y a aujourd'hui une demande locale à satisfaire. Et on n'arrive pas à la satisfaire. Moi, je vais parler de ma famille. Et il y a aussi un autre truc. Aujourd'hui, les coûts de France ont explosé. Je donne un exemple. Avant de faire venir une voiture de France, ça coûtait 500 euros. Aujourd'hui, c'est 950 euros la même voiture. 950 euros. T'as vu, ça a presque pris du simple au double. Je mets des guillemets. Ils disent que les Chinois, ils ont bloqué les conteneurs pour faire monter les prix, etc., etc., etc. Là, moi, j'entends parler. J'ai vu dans la presse que, soi-disant, aujourd'hui, le président russe
va donner des céréales en Afrique, dans 6 pays africains. Mais en Afrique, il y a des céréales locaux. Voilà, c'est pas le même blé qu'il y a, mais on a le mil, on a le sorgho, on a plein de céréales. Mais on ne valorise pas assez. Et il y a beaucoup, moi je connais pas mal de franco-maliens, on va dire, qui sont en train de travailler sur des produits locaux et qui, franchement, gagnent très bien leur vie ici et puis nourrissent les gens. Mais on veut forcément rentrer. Alors, il y a une globalisation, certes, mais il y a un moment, il faut regarder les choses telles quelles. Moi, je vois en France, le Made in en France, je vois partout le Made in en France, Made in en France. Alors, je dis pas qu'il faut appliquer le Made in Mali, mais dans chaque pays, je pense qu'il filière court, pas oublier de faire pour l'agriculture intensive, ça. Et puis, quand il y aura quand il y aura de plus en plus d'entrepreneurs, là, tu vas pouvoir mettre pression aux politiques. Je donne un exemple. On dit, oui, il n'y a pas d'industrie en Afrique. Oui, mais parce qu'il y a un problème d'électricité. Pour vous dire, moi, tous les jours, du lundi au samedi, on a 3 heures de coupure quotidienne. Pour les bons jours. Ouais, mais ça, il y a un truc qui va pas, quoi. Parce qu'avec tout le pognon qu'il y a, je sais pas, ils auraient pu, sans même faire une centrale exprès, voilà, avec tout le pognon, depuis tout ce temps-là, je pense que, tu vois, ça sera un truc, pas qui pour, l'électricité devrait être limpide comme, je sais pas, moi, quoi, voilà. Et je pense qu'il y a un pouvoir politique, il y a une espèce de caste qui fait tout pour pas que ça avance, quoi. Et que malgré les coups d'État, malgré le réchauffé qu'on nous sert des coups d'État, ça n'avance pas plus, quoi. Les gens ont plus conscience des réalités. Je donne un exemple. Le premier ministre est parti à Gabon. On n'entend pas, il y a quelqu'un d'autre qui parle en même temps que Moriba, non? C'est qui? Ah oui, non, c'est l'autre qui est entré avec sa gonzesse. Coupe ton micro pour qu'on puisse converser. Allez-y, Moriba. Il est parti à Gao. Il est originaire de Gao. Il s'est fait conspuer par les gens là-bas. Parce que là-bas, à Gao, ils ont 6 heures d'électricité par jour. Tu vois? Donc, les gens, aujourd'hui, tu vois, tu peux tenir des discours un peu, on va dire, des discours populistes. Ouais, c'est à cause d'eux. Mais à un moment, là, ton pouvoir, il va falloir que tu fasses des actions. Je dis pas que c'est à cause d'eux. Je dis que depuis un petit moment qu'il y a une espèce de caste politique au pouvoir et que l'argent est détourné, et je pense que malgré les coups d'État, malgré ceci, malgré cela, ça, je pense que c'est encore c'est juste bis repetita, et que pour moi, malheureusement, hein, je dis pas ça m'amuse pas, mais ça les choses n'avanceront pas pour autant, quoi. Les mecs, aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile d'acheter des biens en Europe, ça devient de plus en plus difficile d'acheter des biens en Amérique, et quoi qu'on en dise, même si tu as des bonnes relations avec la Russie, les mecs, ça les intéresse pas d'investir en Russie, ça les intéresse pas d'investir en Chine, acheter un appartement en Chine, acheter un appartement en Russie, moi je vois pas. Maintenant, ce qui se passe, c'est tout doucement, ben, les mecs, ils vont réinvestir. Alors, il y a beaucoup de, par exemple, de fuites de capitaux. Il y a beaucoup, par exemple, de manières qu'il faut mettre des capitaux au Sénégal, ou vice versa, ou en Côte d'Ivoire, etc. Il y a cette réalité-là. Mais, tôt ou tard, ça veut dire que l'argent, avant, il sortait de l'Afrique. Là, il va rester dans l'Afrique. Alors, il va peut-être pas super bien circuler. Mais, comme je te dis, à un niveau, toi, tu regardes au niveau macro, moi, je regarde au niveau micro. Au niveau micro, il y a des changements, il y a des petites avancées. Alors, l'homme il est pressé, enfin l'être humain il est pressé, il veut que tout se fasse du jour au lendemain, c'est pas possible. Il faut comprendre qu'il y a peut-être une temporalité qui sera un peu plus longue, il y a une maturité politique, démocratique, enfin j'espère, sera un peu plus longue, mais il y a vraiment un mouvement qui est que les richesses que les pays ont. Par exemple, là, le Mali a changé son code minier. Aujourd'hui, toutes les sociétés de mines ont à payer un pourcentage de 30%. Avant, c'était 13%. Donc, ça veut dire que ça va ramener d'autres recettes, tu vois. Et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, tu disais, ouais, par exemple, que l'aide, machin, la France a décidé de ne plus faire d'aide
d'aide, même aux associations, etc., au Mali. Et le Mali a dit, on ne veut plus d'aide de la France. Moi, qui peux dire un point fort, je peux te dire, je suis content. Non, mais c'est toujours pareil. Je veux dire, entre ce que les, alors, le code minier, c'est bien beau, mais entre ce qui est dit et ce qui est fait, voilà, comme, je sais plus quel pays, ceux qui pompaient le pétrole, notamment Total et quelques autres industries, ils devaient en prendre une certaine quantité, enfin, Elf devait prendre une certaine quantité, et en fait, il s'avère qu'à la finale, les gars, ils avaient pas les moyens de contrôler, et les mecs, en fait, ils ont pris, tout ce qu'ils pouvaient, quoi. C'est-à-dire plus que ce qu'il était convenu, quoi, tu vois. Là, c'est un peu ça, si tu veux, moi, des fois, qui me fait douter, quoi. Ça va plus tenir, ça va plus tenir. Aujourd'hui, on arrive dans un, pour moi, hein, c'est ma vision des choses, on verra, parce que le truc, c'est que c'est pas la première fois que j'entends ce genre de discours, que maintenant, ça va changer, que si, que là, et, bah, des fois, alors comme tu dis, il y a des petites avancées, mais on se rend compte que ceux qui nous proposent le remède, ils sont pires que le mal, quoi. Très bien, on va écouter Alexandre à Pontavendin et ensuite on va attaquer les procédures de sortie. Allez-y Alexandre. Oui Maurice, merci. En fait j'appelais à l'origine pour, vous l'avez déjà fait, mais faire un petit au revoir à Lydie. J'ai appris son décès via ton émission. Et ça m'a drôlement peiné. Voilà. Bon, ben, j'imagine que ça a peiné quelques auditeurs qui la connaissaient. Voilà. Donc, comme j'avais pas pu le faire, puisque c'était la fin de ton émission, quand on l'a appris, et que là tu reprends, je voulais saluer Lydie et te remercier, Maurice, remercier toute ton équipe parce que c'était une. Non, mais j'ai pas besoin de ronfler, j'arrête. Et toute ton équipe qui nous a permis de nous rencontrer, Lydie, c'est vraiment une personne sympathique. Vraiment, vraiment, vraiment. Merci Maurice, merci à tous, et voilà. C'est tout. C'est dommage de pas dire ça aux gens pendant qu'ils sont vivants, quoi. C'est juste ça, tu vois. C'est souvent ce qu'on fait. Tout le monde vient s'épancher. J'ai vu qu'il y avait des gens qui me reprochaient de pas avoir pleuré, etc. Bon. Je pense que si vous trouvez les gens très sympathiques, édifiants, intéressants, vous profitez-en pendant qu'ils sont vivants pour le leur dire, plutôt que d'attendre qu'ils soient morts pour le dire à ceux qui entendent avec beaucoup d'intérêt. Je veux dire, c'est ton sentiment, mais bon, je pense que voilà, c'est un peu tard, quoi. Voilà. Non mais voilà, en fait c'est juste Maurice, plus pour elle, et oui c'est un peu tard, c'est juste pour rappeler à ceux qui l'ont écouté, ceux qui l'ont entendu, qui l'apprécient ou pas, mais bon, un petit geste, un petit souvenir, c'est tout, voilà, mais c'est un peu tard, t'as raison, mais je t'inquiète, oui. J'ai suffisamment discuté avec elle pour savoir ce qu'on pensait l'un de l'autre. Merci Maurice. Moi j'ai rien fait, hein, par contre. Tu nous as permis de nous rencontrer. Ah oui, oui. Enfin, c'est parce que tu... Ouais, pas bon. Très bien. Autre chose, Alexandre? Cet été, qu'est-ce qui s'est passé à Pontavendin? Cet été, qu'est-ce qui s'est passé à Pontavendin? Oui, enfin, je sais pas, il y a eu des vacances, il y a eu, je sais pas, non? Il y a pas? Non, des vacances. Pas, pardon? Pas de, je sais pas, de repos, de... Remarque, non, toi, tu te reposes toute l'année. Non, je suis parti un peu au Touquet, mais j'y retourne là un peu en septembre, parce que je préfère... le Touquet, je préfère... avec les retraités, octobre, préfère, ouais, au moment où il y a les retraités. T'aimes bien les vacances avec eux. Mais non, mais il y a l'enduro. Mais méfie-toi, parce qu'il y a les retraités maintenant. Avant, les retraités, ils arrivaient avec leur... Ils arrivaient avec leur Renault 20, ils la garaient sur un parking et ils allaient se balader. Maintenant, ils ont des énormes camionnettes et ils t'empêchent de voir la mer. J'ai une maison là-bas, mais j'ai 42 ans, Maurice. Je sais bien que t'as quelques années de plus, mais tu vois ce que je veux dire. Je commence à rentrer dans ces... J'ai pas compris. Je peux discuter avec les jeunes comme tu discutes avec les gens de... Ah, mais je parlais pas du tout de conversation, moi. Je suis pas sûr que tu aies compris. Oui.
J'ai compris leur voiture, leur bagnole qui allait tout bloquer. Ouais, ouais, t'as raison. Mais bon, mais ça, j'y peux rien, Maurice. Ouais, c'est vrai que le Touquet, l'enduro, ça a toujours été une misère. Surtout que c'est petit le Touquet, en fait, en réalité. Qu'il vaut mieux partir avec les jeunes qui ont pas de fric et ils dorment dans leur bagnole et ils ont des tentes. au moins, quand ils plantent la tente, ils t'empêchent pas de voir la mer. quand tu te mets debout, tu vois la mer. Alors que les retraités, là, quand ils posent le frigo, là, de 7 mètres de long, sur 3 mètres de hauteur, tu vois plus rien, t'es dans ta maison, tu vois plus la mer. Tu vois, je sais pas quoi, Adria, Et tu rêves que d'un truc, c'est que le mois d'octobre se termine pour qu'il s'en aille. Ça, c'est pas faux. Ouais. C'est vrai. Ouais, quand même. Mais bon, c'est bien d'avoir aussi des touristes. Il y a des périodes pour tout. Et là, ça va être la bonne période. J'ai été un peu en été. Et un peu de septembre à octobre, c'est des périodes sympathiques aussi. C'est plus détendu. C'est tout. C'est un choix. Formidable. On va écouter la conclusion de Christophe à Monlo. Ouais, merci Maurice. Ben merci pour cette émission. C'était chouette pour moi puisqu'on a pu parler d'un sujet qui me plaît beaucoup quand même, la mort. Et bon, par contre, c'est vrai que c'est une émission. Il n'y a pas eu à jouer des coudes pour parler ou quoi. Donc c'est vrai que c'est plus fatigant pour moi. Du coup, quand c'est un petit peu calme et comme ça. C'est beaucoup plus éprouvant pour moi que lorsque ça joue un petit peu des coudes, on va dire. Ah ben, fallait pas parler de la mort. Pardon. Pardon ? Non, je déconne. C'était une blague pas terrible. Vas-y. Et oui, juste pour répondre vite fait à Céline, en fait, l'idée, c'est de reprendre le métier de croque-mort, mais de continuer également en parallèle mon activité de magnétiseur. Voilà, parce que l'idée, c'est de... Bon, je t'en parlerai une autre fois, mais voilà. C'est carrément de cumuler les deux. Voilà. Donc, ce ne sont pas des choses que je fais en l'air comme ça, ou l'idée d'aller faire les ongles aux gens dans les rues, ou ce genre de choses, quoi. Voilà, ben écoutez, je vous souhaite une bonne soirée à tous, et vive les morts. On retiendra les bonnes nuits à toi. Merci d'être venu. Donc, tu pourras revenir demain, je serai là, moi. Et profite. Et merci également, pardon, pour l'intervention du collègue malien. C'est super intéressant d'avoir quelqu'un de là-bas qui nous parle, quoi. Voilà. Oui, merci. Ça change un peu. On va écouter la requiendra les bonnes nuits à toi. Merci d'être venu. La conclusion de Catherine à la teste de bûche. Bon, ben, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée. Bonne nuit à tous et puis merci beaucoup et puis à bientôt. Tu sais où me trouver. Requiendra les bonnes nuits à toi. Merci d'être venu. La conclusion de Fix à Valeroy. Il est fermé le micro là. Le micro est fermé, on ne t'entend pas. Faut ouvrir le micro maintenant. Là, il est pas ouvert là. Là, il est pas ouvert. Là, il est ouvert. On est bon. Eh ben, merci Catherine et merci Christophe parce que franchement, merci pour nous aiguiller nos morts et nos défunts. Vas-y Maurice, perso, je suis français et je m'en fous que tu sois nigérien, russe, malien, éthiopien, voire même ukrainien. Je kiffe l'être humain et tout le monde sera toujours le bienvenu chez moi pour boire un coup. Vive le rock'n'roll, vive Daron et les chaises. Nous sommes un pays plein de bonne volonté, rempli de bonne volonté. Mais nous sommes des bons à rien. Aucun bon exemple à donner. On sera toujours là pour le Beaujolais. Vive les Crazy Boys, les Five Crazy Boys et vive les Charlots. Ah, I love Jean-Yves Lafesse. Lui a toujours su me faire rire. Vive Maurice Radio Libre et le rock'n'roll. Je serai là demain. Et toi? Rock'n'roll, les bonnes nuits à toi. Merci d'être venu. Rappelle-nous que ta porte est ouverte. Je vais passer embrasser ta gonzesse. Dis-lui de s'allonger sur le ventre. Rock'n'roll, les bonnes nuits à toi. Merci d'être venu. La conclusion de Moriba à Bamako, Mali. Ça a bien marché, Moriba. Oui, et pourtant il pleut. Donc, j'ai eu peur un peu. Bon, il y a des fois, hein. On est content. Ben, merci pour tout, et puis je vous dis à la prochaine. C'est comme d'habitude, Maurice, pour le chèque, là. comme d'hab, ouais. Mais j'aime bien les minéraux aussi. Hein. Un peu dans l'or aussi, donc. Ouais.
Allez, bonne soirée, merci. Ah, Kendra, allez, bonne fin de journée à toi, merci d'être venu. Puis t'as vu, quand il pleut, le mec qui se branche sur ta ligne, il rentre, il va se mettre à l'abri, c'est pour ça que ça marche. Donc vaut mieux que t'appelles quand il pleut. Et merci d'être venu. Et bonne continuation. Ouais. Toutes les semaines. C'est bien. La conclusion de Sofiane à Vincennes. Ouais, Maurice, bah, merci, merci beaucoup pour ton émission, Maurice. Je t'aime, cher Maurice. Voilà. On a le droit de le dire, on peut le dire. Avec le cœur. Bon, c'est pas vraiment mon truc, mais bon. Vibration. Ouais. Et ben, merci encore pour ton émission et puis à bientôt. Bonne soirée. Alors, Canera, les bonnes branlettes, donc merci d'être venu. Et n'oublie pas, une de perdue, 10 de retrouvée. C'est ce qu'on dit, mais je vais pas m'en aller. Bon, elle profite. Oh, pourtant, c'est bien. Hein. Allez, salut. la conclusion de Nicolas à Montréal, au Canada, sur la route avec son camion. En direct de la rocade de Montréal. Bah écoute, merci Maurice, hein, et surtout merci à Moriba. J'ai adoré échanger avec toi, Moriba. Donc à tous, je vous souhaite une bonne nuit, bonne journée, et je vous dis rock'n'roll et à bientôt. Ciao, ciao. Rock'n'roll et bonne route à toi. Merci d'être venu. Et la conclusion d'Alexandre à Pontavendin. Ouais. Bah écoute, merci Maurice. Il y a le running gag sur Darren et les chaises, mais d'abord, je pense que tu nous as fait tous découvrir plein de gens. C'est Satriani, Joe Satriani. Peu de gens s'en rappellent, peut-être, mais c'est un énorme guitariste. Et je pense que tu l'as fait découvrir à pas mal de Français. Bref, merci de créer malgré tout, malgré toi, peut-être un réseau social qui n'existe qu'ici. Et merci pour ton émission et merci d'être revenu comme à chaque entrée. Écoute Maurice, peu importe nos années croches, allez au plaisir, j'espère à bientôt. Bonne soirée et rock'n'roll à tous et bonne nuit. Tu sais où me trouver, rock'n'roll et bonne nuit à toi, merci d'être venu. J'étais ravi de vivre cette deuxième soirée de la semaine en ta compagnie. Merci d'être venu raconter pour ceux qui racontent, écrire pour ceux qui écrivent et écouter pour ceux qui écoutent. Et je vais te laisser avec une petite musiquette qui devrait normalement te permettre de poursuivre tes activités, quelles qu'elles soient. Et puis demain soir, 21h pile, je serai là. Et toi ? T'en veux encore ? Retrouve toutes les émissions en intégralité dans la boutique. Maurice, c'est ton meilleur ami. Il te parlera encore quand plus personne ne s'intéressera à toi. Maurice Radio Libre, la radio qui écoute et transmet l'histoire des gens.